Chaque âge, il y a un travail fait dans la colonie, un nettoyage, il y a un lac pour aller chercher de l'eau, il y a un lac pour aller chercher de pollen, il y a un lac pour faire manger pour rennes. Ça veut dire les gens mourir, l'autre là, par exemple, on prend une étape ça là, si il y a un mourir dedans, les gens doivent prendre, on peut prendre la pied et voler avec elle. Ou pas même moi quand tu t'es arrêté là dit tout, mais il y a des périodes l'arrivée après gain sac mouillé juste pour c'est là, mais ça me doit parler là. Ça c'est un pollen, on va prendre mes sacs à pollen là, mais ils sont dans pied là, mais côté côté pollen là. Ça c'est pollen qui est poté, on va prendre pollen dans cellule là. Ça c'est couvain qui là, ça c'est couvain. Là c'est la viande de ça. Je me garde si moi je. Voyez une qui est mort piquer là. Ça ça va piquer là, il va mourir. Il va mourir parce que gon partie dans col qui sorti. Et vous même connaissez l'homme blessé, c'est sang qui permet de faire coagulation. Il n'y a pas de sang qui vous permet de faire ça. Parce que ça va être attaqué par l'autre champignon qui va permettre de vivre. Mais on faut bouton. On va pouvoir grossir les différents. Ça, on va mettre les namons, les battements d'eau. Il va piquer. Parce qu'il y a une période pour ça de février jusqu'à le mois d'avril, avril à le commencement du mois de mai. Depuis nous voyons comme ça, nous supposons que c'est la fumée pour ne pas piquer. Et de fin février jusqu'à mois et commencement du mois de mai, là ça on a une période de nectar. Là ça sera pour eux. Même Abel a eu comme le travail rapide. Ouais, 4 ça me mettre là soir, il y a presque et si mettre là dans la journée comme ça, dans demain m'a gêter prejeune, presque fin travailler. Tellement vous voulez faire rapide pour yo gêter collecter nectar ça. Là vient avec ça yo fait dans colonie, yo vini yo vomir dans bouche l'autre abeille dans ça. Là yo vomir dans bouche, la passe de bouche en bouche jusqu'à ce que yo rempli avec quantité éléments parce que gon glande qui dans tête yo, les et virer dans bouche comme ça, li va mélanger avec quelques organes. L'autre bagaille et élément qui va permettre que si on les mêmes ils viennent en magasin et joignent ou abjoint faire l'autre élément là-dedans et après ça il va le faire mettre lui dans cellule là mais mettre dans cellule là il va faire ventilation qui va permettre que et quantité de l'eau a diminué et l'air arrive dans taux par exemple c'est 18% il juste il opéculé à c'est couvrir et l'air pour l'utiliser c'est les gains tempéri ou pas casser dehors. Là, il n'y a pas de cas pour vous brasser au sol ou même juste pour vous survivre. Là, il y a des gens qui sont dans la boîte depuis la colonie fort et ouvrier a propre. Parce que je dis à chaque âge, il y a un travail fait dans la colonie en nettoyage. Il y a un lac pour aller chercher de l'eau, il y a un lac pour aller chercher de pollen. Gain que la couba faire manger pour rennes. Ça veut dire les gens mourir, l'autre là, par exemple, on prend une étape ça là. Si gen un mouri dedans, li gen doit prendre, ou prendre la pied ou voler avec. Ou pas même moi quand tu t'es arrêté là dit tout, mais gen des périodes, l'arrivée ou après gain sac mouri juste pousser au dehors. Mais ou après gain sac mouri juste prendre ou voler avec à la veille. Mais c'est des manioc spécial que vous avez. Et nous connaissons généralement la variété de manioc que nous avons ici. C'est cher. Dans le cas des manioc là, nous avons cher blanche. Ça a même cher jaune que vous avez. La particularité de la variété, c'est que vous êtes riche en bêta-carotène. Donc, vous le consommez qui peut le transformer en vitamine A. Donc, nous connaissons que grand pile. Déficience en vitamine A, c'est un problème de santé publique important dans le pays d'Haïti. Ouais. Et côté moun yo pas consommer assez de légumes, etc. Yo pas manger, consommer assez de fruits. Donc, en pile femme, surtout femme qui est pauvre,
et femme enceinte et puis petit monde qui pas grand 5 ans donc yo souffrir de déficience nutritionnelle ça qui c'est vitamine A. Donc et nous fait à promouvoir de variétés plantes de culture qui porter complément vitamine A que moun a besoin pour consommer chaque jour. Surtout de bagages que nous connaît que en pile moun consommer chaque jour. Donc manioc c'est une vive et une espèce racine et tubercule que moun consommer en pile dans le pays. Nous avons choisi dans cadre collaboration avec une institution qui est le CIAT, Centre international de la culture tropicale qui est basé en Colombie. Nous travaillons sur haricots qui sont riches en fer. Nous travaillons sur du riz qui est riche en fer et en zinc. Et nous travaillons sur manioc qui est riche en vitamine A. Donc, notre cadre de recherche pour répondre à besoins nutritionnels. Donc nous collaborons avec eux, nous recevons de nous entendons avec eux pour te voir une série de clones manioc ban nous. Donc que nous évaluer. Je te vois à peu près plus de 100 clones. Donc dans 100 clones ça que je te voyais, nous sélectionnons une vingtaine. Donc c'est eux-mêmes et que nous fait plusieurs cycles d'évaluation de matériel ça. Maintenant nous assurons nous que clones ça yo que nous rivez sauver yo nous assurons que nous gagnons sur campus là donc pour continuer observer comportement yo mais en même temps tout gagnons disponible pour multiplication ouais donc et c'est ça nous gagnons là chaque rang ça yo c'est un clone différent que yo ouais donc et c'est même le même tout qui l'autre bois n'a pas l'autre partie l'autre bois qui gagne yo donc c'est même clone ça yo qui l'autre bois donc à côté de deux clones qui riches en bêta-carotène et nous avons une autre série de variétés manioc à chair blanche qui est très populaire à Boïsite tant que CMC 40 et qui a un autre nom en plein air, les Madame Jacques et qui c'est une variété vraiment qui baille haut rendement et puis il y a un autre tout qui est très populaire, les Anglais qui est les Inivit donc deux variétés ça yo et manioc ça yo et yo baye vraiment de haut rendement donc nous gagnons yo dans collection nous tout ici ya. donc c'est un objectif non seulement pour résoudre problème nutritionnel mais pour résoudre problème sécurité alimentaire nous connaissons avec impact changement climatique et déséquilibre qui gagne dans climat donc les plantes yo attendent yo gagne la pluie pas tomber pas dans la pluie donc dans des cultures qui est plus résilient que l'autre, tant que manioc, c'est une culture qui est très résilient. Donc, même si vous avez une longue période de sécheresse, depuis manioc a été déjà dans terre, il a campé tant la pluie, pas vrai? Une fois que la sécheresse a passé, il a commencé le cycle de production. Donc, comme ça, notre stratégie par nous, c'est encourager les gens à planter manioc et entrer dans le système de production. Même lorsque ils n'ont pas abandonné toute leur culture, mais ils sont capables de diversifier avec manioc. Et dans pile zone dans le pays, particulièrement dans plein Oka, ils ont des ateliers qui transforment manioc. Ils ont fait cassave et même dans des marchés, pour exportation tout qui c'est une opportunité pour les gens qui commercialisent manioc. Donc à partir de transformation ça y est. Donc maintenant nous encourager producteurs dans zone ça qui gagne des ateliers de transformation cultiver variété manioc ça qui a haut rendement tant qu'on Inivit tant qu'on Baronera tant qu'on Madame Jacques ou bien CMC 40 donc les ça et pendant que moun yo a cultivé l'autre culture et puis yo planté manioc donc ça capable diversifier sous de revenus yo et contribuer tout à assurer sécurité alimentaire population. Donc voilà, donc c'est ça n'appelle en fait sous manioc. Là nous avons pistache, des patates, des maïs. Donc là c'est bloc étudiant pour faire expérimentation. Pratique par là. Ok. Donc là c'est pratique par là. Comme nous avons dit, saison passée, nous étions dans la culture maraîchère nette, nous étions dans la culture vivrière, tubercule,
Donc chaque saison, nous avons un type de culture que nous faisons. Ouais. Nous faisons une rotation. Presque tout ça fait dans plein dans là, il y a une pratique. Ouais. Même lorsque c'est dans une étude qui travaille sur ça, mais l'autre ça travaille sur moi, il y a tout, il y a ça qui fait dans le monde. Là, il y a un examen. Examen, on parle sur tout. Même si c'est pas de port là. Chaque variété va dire, donc ça veut dire chaque groupe étudiant travaille sur variété différente. Bon, la fin de nous, ça son terrain. Il y a son ancien terrain, il y a son ancien terrain basketball, c'est un volleyball. Mm-hmm. Là, nous venons là, nous venons dans mi-temps terre. Et nous parlons de faire parce qu'il y a le terrain à l'autre bord. Nous disons qu'on va quitter le gaspiller. Ok. Nous transformer dans le jardin. Mm-hmm. Ça, c'est un type de culture, ça est les cultures sur trois. Ils font sous tête caille. Il y a un pile pays, côté que toute la ville, il y a un jardin sous tête caille. Yeah. Donc, comme ça, nous tout fait pratique avec les étudiants sur le jardin sur trois. Ça veut dire à partir de ça, là. Il y a des gens qui vivent dans la ville ou qui ont des gens qui ont fait une série de cultures. Ils font un paquet de jardin. Ouais, ça veut dire sous dos la caillou, sous tête caillou. Donc, ça, c'est une belle expérimentation pour montrer comment étudiants font le jardin dans un espace comme si. Qui était déjà, comment on a dit ça là, en dur, urbanisé. Et puis, on a fait type de culture à partir de l'expérimentation. On n'a pas besoin de terre comme ça. Des fois, on a des gens qui ont en béton, tout tête qui a tourné le jardin. Là, nous avons. On n'a pas mis terre. Ça, je vais servir avec terre. Moi, quand on va mettre mettre là dedans, on va mettre l'autre qualité médium là dedans. C'est pas obligé de même mettre. Oui. Là par exemple, notre système est déjà fait à goutte. Donc système ça, ça c'est un système que nous utilisons. Nous utilisons goutte à goutte avec aspersion. Donc là, nous avons un château d'eau, ça c'est là dans l'eau assortie, l'autre bord dans le pied. Et puis, à partir de là, l'eau a usé pour quoi? Des débuts ouverts vannes. Voilà. Et chaque tube, ça a un van. Si je voulais user ça, je vais faire mes vannes. Donc, pas si je voulais user, je vais poser. Donc, ça, c'est des gouttes à gouttes. Ça, c'est un système d'irrigation qui est très, très économique. C'est les Juifs qui ont créé ce système. Ça. Parce que là, ils ont entré en Israël et c'est dans mes zones 1948, ils ont été indépendants. Donc, là, ils sont arrivés pas grand pileté parce qu'Israël presque même en Haïti. Mais c'est avant 27 000 carrés, 27 000 km carrés, donc presque même pas à nous. Donc, ils n'ont pas gagné de l'eau. Ils ont une seule source de l'eau, que nous, les Euphrates ou bien et la mer de Galilée, ils ont les Capernaum tout. C'est celle sous l'eau qui a 400 mètres d'altitude, puis il y a monté. Il veut traverser le pays du nord au sud. Nous, on va les rivières nous-mêmes. Et on dit de l'eau pas monter le monde. Donc, il a créé un système goutte à goutte. Donc, il a créé un système, il dit pas gaspiller de l'eau. Donc, l'eau, ça passe dans le tube, ça, et le tube, ça a gonflé de vieux petits trous là-dedans. Il doit tomber goutte par goutte, tout petit. Ça veut dire que n'importe qui de l'eau rien là, souple ça de l'eau là, Michel a fait pile temps à poser. Donc, les Juifs ont créé le système de l'eau. Internationalisé, donc comme ça, et non seulement Tiblo Saga, ils vendent là dans la Jordanie, ils servent avec l'autre côté, et puis en même temps, ils font agriculture avec. Ils traversent ces pays en toute tête monde du nord au sud. Donc, en gros, c'est ça lié. Là, ça nous est là, c'est ça, les mulching. Donc, il y a une façon pour contrôler les mauvais herbes, pour contrôler les ragés, pour faire de façon naturelle, organique. Là, on met des ribois, côté bénissio fin de travail. Donc, nous mettons des ribois. Donc, pour les ribois, il y a des ragés. Là, on plante dans le mi-temps, on plante dans le mi-temps, on plante dans le mi-temps. Ça, c'est ça, c'est les mulch organiques. Donc, c'est mulch organique. Donc, c'est avec des déchets organiques qu'on fait. On couvre les nets. Non seulement la contrôle les ragés, mais l'aile pourrie, elle tourne en graines en terre toujours. Et puis, conserver de l'eau. Conserver de l'eau. Elle dit, qu'elle de l'eau, qu'elle humidité dans terre, elle a toujours été frais, même l'eau soleil. Il y a un tube à la gueule de l'eau en terre. Ça c'est mulch lié tout, mais ça c'est un mulch plastique. Ça plastique, il fait le même travail là. Il conserve de l'eau et les chaleurs à monter de l'eau à suer, tomber encore dans la terre, mais il contrôle les rages. Il contrôle les rages très bien lui-même. Mais il n'y a pas de matière organique. Donc ça a un grêle tourné après ça, mais ça va tourner en grêle même. Mais après, c'est la biodégradée, la finie, donc ça va rouler. Donc comme ça c'est pratique, c'est démonstration de l'importance mulch. On est au pays sacré tout le temps, on couvre le temps, on finit de planter un peu. J'ai un peu là. Ça c'est poisson tilapia là, tilapia rose. Malheureusement, il n'est pas monté là. Mais c'est devant. Oh, regardez. Pour poisson. Regardez. Wow. Mais ça, il y a une chose qui est importante dans l'élevage poisson. Ça, test nous fait sous nous presque pas bailler manger. Nous nourrissons avec poulet. Comment? Même poulet, ça, c'est déchet poulet que manger. Mais ça nous fait. Donc,
nous presque pas dépenser pour manger du tout. Mm-hmm. Donc nous sommes des dino au départ presque tout ça nous fait nous assurer que pas rien perdu. Ouais. Donc toilette caca pour yo. Mm-hmm. C'est que tout ne mange poisson. OK. Là est tombé là poisson vient manger pour manger. Mm-hmm. Donc ça fait toute nourriture c'est comme caca pour la net. OK. Donc, pour ça l'air fin grand tout. Nous abattons, mais nous vendons, nous mettons l'autre poule. Mm-hmm. Donc, le système, ça, j'en nous arrangé pour l'eau. Là, c'est exprès, c'est comme ça, oui, même oui. Nous faisons. C'est pour qu'on nourrit poisson. Ok. Donc, pour l'eau, toujours pour vendre, pour faire tout le bas, mais en même temps, tout, il y a tout le poisson à manger. Ok. Donc, là, l'autre bas qui est important encore, deux poissons, ça, qui est très riche en éléments nutritifs, trop plein. Hein? Mm-hmm. C'est lui, nous menons après tuyau, ça, nous était fait avec canal, selon, on a mis des tuyaux plutôt. L'eau qui tombe dans trop plein, mm-hmm. Elle qui tombe sans arrêter, nous menons dans l'autre bloc avec un produit du riz. Ok. Dans le produit du riz, donc l'eau poisson, quoi, elle nourrit du riz. Mm-hmm. Donc ça, ils sont chaînés. Ouais. Là, nous allons gagner deux autres bassins, nous allons faire là, poisson toujours. Mm-hmm. Donc on a un café de l'eau. L'eau a supposé couler ça. Oui, l'eau a c'est pas un problème. Au contraire, l'eau a mis le poisson, il faut assurer que l'eau a. Il n'y a pas de bail qu'on fait, l'eau a l'air de l'eau. On va rentrer bon juste dans le coude. Ouais, debout ou doit pas carré plan mais on. L'eau commence au pas carré plan mais les albums mettre poisson. Mm-hmm. Et sous mettre poisson de l'eau qui clair, le soleil là fait sous l'île pas bon voler. Mm-hmm. Et dit faut le protéger tête dit et puis en bas ça tout le conseil de pile roche. Puis on va rentrer à le cacher, on comprend puis on fait petit là. Okay. Non non, on va mettre nos conseils de pile roche dans chaque coin. Yo. Et puis on va qui pas là que ça ouais c'est pour permettre l'oxygène. Circuler dans l'eau, normalement, pas d'impression là, qu'on a gagné sous château d'Olier. Les impressions tirent, et puis l'eau, ça va être oxygéné. Mais, nous allons mettre un système qui est électrique sur l'économie, pour permettre que pour l'eau, faire mouvement, donc, on l'autre système, nous allons mettre sur l'eau, pour permettre que l'eau, tout faire un poisson, un oxygène.